Les réseaux des femmes policières de Kassai Central et de Sandy, vendredi 2 avril 2021, dans les structures sanitaires où les policiers et policières doivent être traités pour sensibiliser les malades contre la pandémie de COVID-19 qui secoue la République démocratique du Congo depuis mars 2020. Cette sensibilisation a consisté à rappeler aux malades la nécessité de respecter les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires pour se protéger de la pandémie de coronavirus. Coronavirus et cannabisoté. Barrière y a liboso balobi, toti kama kambu ya ko yambana. Omono moninga ye senya wuti wapi, ata bosaka na ye mikolo nyonso. Popu kono aneza oko mona ngona nzoto te. Na ye bande lezo sala 14 jours na nzoto omutu, pone ye bima. Kasa avant 14 jours wano ko yoko ye bate. Makambu ya omono muto yambi ye, eza biente. Oseko yambi ye, buko no ane kokanga ye. Et Sengeli, tu vas en tout ça la distanciation. Dès que tu es venu, tu es venu, ma vie. Et Sengeli, tu es venu à 1 mètre, non, mon inga. Pour Yango, ce que vous avez fait, 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 Ezante ke mutu nyoso omoni ndenga na zaboye na sina lati yope oyo okubokutani pona mwana katana bank one. Au cours de cette sensibilisation, les cache-nez et les savons ont été remis aux malades pour se protéger des COVID-19. Pour Mbouyibi Tema Thérèse, commissaire supérieur adjoint et présidente des réseaux des femmes policières, cette sensibilisation entre dans le cadre du mois de la femme et explique la nécessité de parler aux malades de cette pandémie qui secoue le monde entier. Sensibiliser les malades de nos centres de santé sur la COVID-19 et leur remettre symboliquement un savon, un cache-nez. Les malades là, ce sont des gens qui sont beaucoup plus exposés à la COVID-19 parce que vous voyez, quand ils sont déjà dans les lits des malades, dans les centres de santé, ils sont exposés. Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse, www.congosynthèse.com.